suis arrivé au festival Play Azur. On est la veille de Play Azur. Tout le monde s'installe. Les gens que vous voyez là-bas, c'est le Café des Sciences. Je vais aller faire un peu la fête de temps en temps avec eux parce que j'ai mon autre chaîne qui s'appelle Matador. Et puis là, on est avec un bout de Mediapason. Bonsoir, moi c'est Glitch and Confuse. Et oui. Alors je suis tout seul parce que normalement on est trois dans Glitch and Confuse. Bonjour, moi c'est Awel. Je suis un chercheur et dealer de son. Je fais découvrir des artistes méconnus. Thibaut Kemon de la science musicale. Des vidéos qui parlent de science et de musique. Et Adrien. Ouais, non, en gros, on va faire passer ça derrière. Ça va aller derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens pas. J'ai l'impression que la banderole ne sera pas là. Si mon pote Seb regarde cette vidéo, tu vois, quand je te disais au lycée que tout pouvait se solutionner avec du scotch, avec encore gaffeur, une fois. Le gaffeur. Mais ouais, mais c'est ça. Tout. Ce fil de gaffe va aller alimenter ce petit œillet là-haut, voyez-vous. Voilà, c'est ça. Ça mériterait une petite musique de tink 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 tink. Je vois déjà mon montage là. Bon, c'était laborieux, mais on est en train d'y arriver. Donc là, sur le stand, je me suis dit que j'allais lancer des défis aux abonnés. Donc là, pour mon album, soit faire chanter quelqu'un qui a jamais chanté dans un micro, ici faire venir Alain Souchon en guest, et ici faire 507 pompes pendant la durée de l'enregistrement. Et les gens votent. Théo, il est en train d'essayer ma guitare. Messieurs, dames, fin de la première journée de ma première convention et je peux vous dire d'ores et déjà mon apprentissage de la journée. Une convention, c'est fatigant. Hein ? Ouais, et surtout tu restes debout souvent et j'ai les pieds en feu. Ah ouais. J'espère que le resto il est pas loin parce que... Ouais. Alors, à l'issue de cette première journée, bilan du défi. Tu vois, entre là et là, je sais pas ce que vous en pensez. Ça se vaut, en fait. Mais je pense que c'est quand même les pompes pour l'instant. Mais rendez-vous demain. Bon, messieurs, dames, il est quoi? Il est 23h? Je n'ai pas l'idée. En tout cas, on vient de sortir de la pizzeria, c'est la fin de journée. Et quand il y a tout cafetier des sciences qui paye une addition additionnée de... Bon bah 5 phasomédiens, et bien ça fait une addition qui dure une heure avec une liste d'attente. J'ai pas encore payé moi, du voilà. Donc peut-être que quand vous regarderez cet épisode, on aurait toujours pas fini de payer en fait. Nice. Deuxième jour. Salut à tous. On est le lendemain matin et j'ai plus de voix parce que j'ai gueulé toute la journée hier. Je suis avec Adrien. Avec Adrien, je sais pas si vous en... Hein ? Ah, on est à gauche ? Ouais. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bon, messieurs, dames, un petit état des lieux des votes. Je me trouve avec... Ornella. Edgy. Et donc, deux futurs abonnés, hein, comme vous pouvez le constater. On va regarder vers quoi vont les votes. Ok, donc, j'ai un petit répit d'Alain Souchon, là. C'est cool. Bon, ben, je vais faire la première conférence de 507 heures dans une convention. Non, c'est par là que ça filme. Je me filme moi. Il y a les copains du Café des Sciences qui sont ici, ils croyaient que je l'ai filmé en fait. Mais en fait, là c'est bon. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent.
Et donc, je vous disais que j'allais faire la première conférence de 507 heures en convention. J'ai un peu le trac, quand même. À tout à l'heure. Et voilà, le Play Azure Festival, c'est fini pour moi. On est dimanche soir, il est 17h. Je vais donc prendre la route. On est à Nice, 17h. 11h de trajet jusqu'à Tours. Et demain matin, concert avec EO. Donc je pense que je vais faire un concert avec 3h dans les pattes. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Alors messieurs, dames, de retour du Play Azure Festival, on est lundi matin, je suis fatigué, j'ai dormi 4 heures, j'ai un spectacle dans 2 heures. Maintenant, il va falloir que je chauffe ma voix, mais avant cela, est-ce qu'on n'a pas un petit débrief à faire sur les défis ? Voici donc les résultats du vote. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre deuxième tirage gagnant à vie. 52, 54, 56... 58. On débrief le deuxième défi. Là, ça va commencer à devenir intéressant parce que c'est sûr que, on va pas se mentir, le défi numéro 1 ne remportera pas la palme. C'est parti, on compte le défi numéro 2. ...46, 48, 50. Donc là, je fais un temps de 50. 52, 4, 6. 28, 30, 32. Ça fait donc 82 suffrages pour Alain Souchon. Bah voilà, on va voir maintenant si je vais faire des pompes ou si je vais faire venir Alain Souchon. Alors, 2, 4, 6, 42, 44, 46, 48, 50. Premier tas de 50, ça va être assez serré, je pense. 2, 4, 6, 46, 48, oh pile 50. Eh bien écoutez, le deuxième tas fait 50, le premier tas fait 50. C'est donc avec une faible majorité que les pompes remportent ce défi Play Azure 2020. Je vais donc devoir m'acquitter de 507 pompes pendant la durée de l'enregistrement de mon deuxième album en juin prochain. Merci à tous d'avoir voté, d'avoir joué le jeu. Et puis à l'année prochaine pour le prochain festival Play Azure avec d'autres idées un peu folles comme ça.